Atlantic Ocean island nation of Bahari Terra is a beautiful country located in the northern Atlantic Ocean. And it is famous for having white sandy beaches and beautiful blue water. Avez-vous déjà entendu parler de l'île de Bahari Terra, un petit morceau de terre perdu dans l'océan Atlantique qui, après des décennies de dictature, est enfin devenue libre et indépendante en 2021? Pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler, avant qu'un des abonnés de la chaîne ne m'envoie un message pour me dire qu'il se passait quelque chose d'étrange sur Reddit au sujet de cette île. Et bien que ce mystère soit relativement récent, il y a déjà un nombre tout bonnement impressionnant d'éléments à analyser. Enquêtons donc ensemble sur cette curiosité numérique qui est littéralement en train de submerger Reddit et YouTube. Le mystère de l'île de Bahari Terra. Pour cet épisode, nous allons procéder un peu différemment de d'habitude, car je vais tâcher de découvrir, en même temps que vous, ce qui se cache derrière ces étranges séries de posts. On va donc essayer d'agir avec méthode. Tout d'abord, il faut que nous puissions avoir une vue d'ensemble de cette histoire. Pour ça, prenons donc le post Reddit qui semble présenter l'île de Bahari Terra. Bahari Terra est un territoire insulaire indépendant, situé dans la partie nord de l'océan Atlantique et qui compte environ 63 000 habitants. L'île ne peut pas être trouvée sur les cartes en ligne, ni même grâce aux photos satellitaires, car au début des années 2000, l'île était sous le joug d'un dictateur dénommé Kalmad, qui souhaitait cacher la localisation de ses silos à missiles pour des raisons de pure stratégie militaire. Kalmad est donc parvenu à obtenir l'effacement total de l'île de Bahari Terra d'applications comme Google Earth, Google Maps, Waze et de tout autre service proposant des ressources cartographiques ou d'imagerie satellitaire. À la fin de l'année 2019, le régime dictatorial de Bahari Terra s'est brusquement effondré, laissant place à un nouveau régime démocratique et à un nouveau président, John Axon. Intéressant. Le reste de ce post nous décrit de manière assez méticuleuse la géographie de l'île de Bahari Terra, en nous présentant ses sommets, comme le mont Pecan Vista, sa faune, sa flore, ou encore ses spécialités culinaires. Bon, essayons maintenant de voir quand le mot Bahari Terra est apparu pour la première fois sur Internet. Pour ça, il suffit de faire une recherche avancée Google pour délimiter la période qui nous intéresse. J'ai regardé et avant 2021, aussi étrange que ça puisse paraître, le mot Bahari Terra ne donnait aucun résultat. En revanche, pour l'année 2021, c'est tout autre chose. Essayons de trouver le tout premier résultat de la liste chronologique. Voici donc le premier post Reddit traitant de l'île de Bahari Terra, judicieusement intitulé « Bahari Terra est l'un des plus beaux pays que j'ai pu voir dans ma vie ». Pas plus de texte que ça, mais il y a 20 photos, dont 15 représentant des plages paradisiaques et puis 5 autres photos, semblant montrer une statue représentant un animal, ainsi qu'une intrigante photo montrant la façade d'une maison semblant être pourvue d'un petit jardin fleuri. Bien, poursuivons. Poussons la recherche jusqu'au 31 juillet 2021. Outre les liens YouTube et Reddit, il est possible de voir qu'il y a un résultat renvoyant vers garden.org, un des plus gros forums en ligne consacré à la culture des plantes en général. Allons voir ça. Le 8 décembre 2020, un utilisateur crée donc un topic pour montrer les photos des installations de permaculture d'un de ses amis. Pas grand chose de bien intéressant pour l'instant, mais observons les réponses faites à ce post. Une utilisatrice dénommée Jane Lee lui répond alors ceci. Je vis dans une de ces îles perdues dans l'Atlantique. Et en regardant la localisation de cet utilisateur, il est possible de voir que cette Jane Lee vit à Bermuda Bay, sur l'île de Bahari Terra. Que Reddit et YouTube soient submergés de posts vantant les mérites de Bahari Terra ne m'étonne pas vraiment. Mais un forum de jardinage? Tentons de voir s'il est possible de trouver d'autres résultats en tapant Bahari Terra dans l'onglet recherche de garden.org. Un autre utilisateur, du nom de Cocoplume, qui précise être localisé à Banda, a ouvert un nouveau topic intitulé « Puis-je faire pousser un palmier ici ?». L'utilisateur précise alors « Ma tante a une maison sur le mont Pecan Vista.
Le climat y est similaire à celui de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, pour que vous puissiez avoir un point de comparaison. Je me demandais si je pouvais y planter un palmier Trachycarpus. Merci d'avance, prenez soin de vous et profitez bien de votre jardin. Amitié de Baharitera. Un utilisateur du nom de Gardener2493 lui répond alors. Ça ne nous aide pas beaucoup. Il est écrit que vous habitez à Banda, qui se situe en Inde jusqu'à preuve du contraire, et Baharitera serait situé dans l'Atlantique Nord. Un nouvel utilisateur du nom de Big Bill ajoute que ils prétendent que c'est dans la partie nord de l'Atlantique. Ce serait une île indépendante comptant 60 000 habitants, dotée à la fois d'un climat tropical et de grandes montagnes recouvertes de neige. L'utilisateur Cocoplum précisait alors que Banda est la capitale de Baharitera. Il y a plusieurs villes qui s'appellent Banda sur cette planète. D'ailleurs, plus vous allez en altitude, plus il fait froid effectivement. Je ne vois pas en quoi le fait qu'une île tropicale puisse avoir des sommets enneigés vous étonne. S'ensuit alors une discussion, au fil de laquelle des utilisateurs sceptiques partagent des liens renvoyant vers les nombreux posts Reddit présentant l'île de Baharitera. Et très clairement, c'est sur Reddit que tout se passe. Car depuis quelques mois, Reddit se retrouve littéralement submergé par des dizaines et des dizaines de posts journaliers nous décrivant le quotidien des habitants de l'île de Baharitera. L'histoire de l'île, son alphabet particulier, sa flore, ses relations diplomatiques avec les autres pays, ses spécificités climatiques, bref, tout y passe. Mais ne nous dispersons pas trop, et revenons une dernière fois aux recherches Google, mais cette fois-ci, sans cibler de période précise. Tiens, l'URL de ce site semble intéressante. Ce site semble donc être la plateforme officielle de la nation baharitérenne, et il est possible d'en apprendre davantage sur le succès du multiculturalisme de cette nation, les différentes coutumes locales et une fois de plus sur la flore de l'île. Il y a même une section qui permet de rentrer en contact avec eux par mail ou via un chat intégré. D'ailleurs, j'ai déjà tenté ma chance à deux reprises, mais rien. Enfin, et c'est la partie la plus intéressante de ce site, il y a ces étranges billets de blog traitant principalement de l'actualité géopolitique de l'île. D'ailleurs, je viens de voir qu'ils avaient même publié un post pour s'excuser de ne pas m'avoir répondu dans le chat. Bon, nous ne savons pas encore qui se cache derrière cet étrange site, mais au moins, on est à peu près certain que c'est quelqu'un de très poli. Bref, revenons au billet de blog plus ancien, et attardons-nous sur celui-ci, qui nous informe que le gouvernement de Baharitera aurait arrêté, torturé et éliminé des individus suspectés d'appartenir à des organisations terroristes sévissant habituellement sur le sol américain. À Baharitera, 17 policiers ont été arrêtés pour avoir brutalisé des individus qu'ils suspectaient être des terroristes. Leur arrestation est survenue peu après qu'une vidéo ait fait surface, montrant des policiers se disputer par message concernant de très graves bavures commises pendant l'exercice de leurs fonctions. Cette vidéo a été uploadée sur YouTube, mais la qualité n'est pas très bonne. Et puis, il faut avoir le cœur bien accroché. Voyons donc à quoi ressemble cette vidéo. Habibi working with the Baharitera government as anonymous. Today I'm going to show you these people are confessing in the Baharitera military. They're confessing to murdering and torturing people. Warning, the sounds you hear are very graphic. Viewer discretion is advised. Okay, so here's what we got. Shut up before I murder you. Bon, c'était quand même bien creepy. Et cette vidéo ne nous apprend pas grand chose d'autre que ce qui était déjà mentionné dans le billet de blog. Mais maintenant que nous sommes sur YouTube, voyons ce que donne une recherche avec le terme Baharitera. Et sur cette plateforme, c'est encore pire. Il y a là une quantité de vidéos impressionnantes, uploadées par une nuée de comptes différents, commentant tous les uns les autres leurs vidéos. C'est tout bonnement impressionnant. Je vous laisserai d'ailleurs explorer par vous-même cette constellation de chaînes décrivant, sous toutes les coutures, le quotidien des habitants de cette mystérieuse île. Bon, essayons de voir ce qui se cache derrière ces publications.
Mais avant de partir creuser ce mystère numérique et de peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça, je tenais à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, et nous approchons grandement des 1000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Merci donc pour votre soutien, et n'hésitez pas à partager ces épisodes à vos amis afin de leur faire découvrir ces étranges histoires de l'ère numérique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, et même si je pense qu'à ce stade c'était clair pour tout le monde, précisons que Bahari Terra n'existe pas. Et puis, ne nous voilons pas la face, Bahari Terra n'est pas la première île à proclamer son existence sur Internet. On peut notamment citer l'île d'Eroda, un étrange ARG qui serait lié au chanteur Harry Styles. Et puis, pour tout vous dire, le nom même de Bahari Terra me fait penser à l'île de Bandia Terra, territoire imaginaire présenté dans la vidéo du 1er avril 2015 de l'excellente chaîne américaine de géographie, Geography Now. À défaut de savoir qui se cache réellement derrière cette curiosité numérique, tentons de savoir d'où cette ou ces personnes postent leur contenu. Et pour ça, il y a un outil qui peut s'avérer très pratique, Social Blade. En effet, cette plateforme renseigne, entre autres, sur le pays d'origine des chaînes YouTube. J'ai donc entré une dizaine de noms de chaînes YouTube qui ne postent que du contenu sur Bahari Terra. Mais le pays d'origine n'apparaissait étrangement jamais. Bon, il va falloir trouver autre chose. Pour tout vous dire, après l'échec sur Social Blade, je ne voyais pas vraiment comment déterminer la localisation de ces individus. À ce stade, je ne connaissais qu'un seul autre moyen pour espérer les localiser. Il y a quelques jours de ça, lorsque j'ai découvert ce site, j'avais également envoyé un mail pour en apprendre davantage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me réponde vu que l'expérience du chat n'avait pas été concluante. J'avais donc envoyé un mail totalement bidon en rentrant dans leur jeu, parce que la seule chose dont j'avais besoin, c'était d'un mail de réponse de leur part. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a actuellement des restrictions sanitaires sur l'île de Bahari Terra. J'adorerais visiter votre pays. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je n'ai jamais entendu parler de votre île. J'ai hâte de faire une randonnée sur le mont Pecan Vista. Merci et ciao. J'allais conclure l'écriture de cette vidéo quand j'ai justement reçu une réponse de la part des administrateurs du site officiel de l'île de Bahari Terra. Pas de confinement sur l'île. Les gens venant de l'étranger doivent simplement rester 14 jours à l'hôtel avant de pouvoir sortir. Et puis, il fait très froid sur le mont Pecan Vista. Bon, comme prévu, ce mail ne nous apprend pas grand chose, mais il y a un moyen assez simple de déterminer la localisation de l'expéditeur d'un mail. Et pour ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans des opérations illégales et techniques. Il suffit simplement d'afficher la version originale du mail et de copier l'adresse IP de l'émetteur. Naturellement, je ne vous montre pas l'IP de la personne en question, pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais une fois l'IP copiée, il suffit simplement de la copier sur un des nombreux sites gratuits permettant de localiser une IP pour avoir une réponse instantanée. Et sur tous ces sites que j'ai pu tester, c'était systématiquement le même résultat. Les États-Unis, et plus spécifiquement, l'état de l'Ohio. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment la première fois que l'on retrouve une connexion entre Bahari Terra et l'Ohio. Ce post Reddit précisait justement que de nombreux individus originaires de Bahari Terra vivraient actuellement à Lorraine, dans l'Ohio. Mais au final, peu importe qui se cache vraiment derrière ce mystère, et je vous invite réellement à découvrir ce probable ARG qui semble être bien loin d'être terminé. D'ailleurs, compte tenu du nombre impressionnant de vidéos postées sur YouTube, je n'ai pas pu tout analyser. Et je reste persuadé qu'il y a de très nombreux indices disséminés dans ces centaines de vidéos, dans leurs espaces commentaires, sur Reddit, et dans ce bien curieux langage qui semble être un peu trop cryptique pour être vrai. Voyons donc comment les choses évoluent du côté de Bahari Terra, et je ne manquerai pas de vous tenir informé des développements de cette bien étrange légende numérique qui est en train de naître juste sous nos yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me laisser un avis en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ou bien pour me suggérer des sujets que vous aimeriez voir traiter ici. Voici d'ailleurs l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous pouvez me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.